Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous en essayant mingi à Okutana Bino, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchangou. Tous Ali, la émission Nabino Entretien. Entretien, Yalelo, Toyambi, Maître Clément Mouza, Azali, secrétaire exécutif provincial, Nakati SID, parti cher à Martin Fayoulou. Naye, Tokoso La Penza, Masolo, Etali, Seni, répartition. Sali, na kati Assemblée nationale, tenir compte ba réforme oyo la mouka et salakite pour nani ba tenir compte te déjà la mouka bande déjà ko crier na manœuvre ya tricherie na ngambo ya union sacrée ba ko sala nini pour que makambo wana e s'applique te ndenge ba voter ango na Assemblée nationale tokolobela pe situation à est ya mboka na biso comment est-ce que gouvernement et Zali qui encadrer catastrophe ou te ko salama na partie est ya mboka na biso toko sukisa na makambo yo ya carte visa oyo Zali ki crédité na compte ya trésor donc ba personnalité politique ya mboka na biso bazora na bango mbongo chaque mois plus ou moins 50 000 $ na compte ya trésor. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les recommandations? Oh, il faut que ça là pour que situation il y a coulage des recettes père Moïbi il y a bon ou un trésor public et si là ndé moboko masolo to kosola na invité na biso lelo, restez connectés. Maître Clément Mouza Mboti. Mboti maman journaliste. To yambi o lisu sur na émission na biso ya liboso actualité ezali dominé par situation il y a CENI, Assemblée nationale est votée, bah, repartir CENI, mais sans tenir compte de la réforme, la MUKA et Sengaki, et puis CENI en gros, et Tikali Pekaka politique. Bon, Mbokezan a besoin de la réforme, et ça par sentiment. Peuple congolais a aussi une réforme parce que Alingi, le lingue makambo et tambola qui la fois passée notamment na o etali seni makambo et tambola est malamouté et ça dit que élection na le lingue population a voté qui et mon ami qui milinga milinga kota pelelo mboka eyoka soni pe les années moi libabe mo besoin accompagner mboka parce que biso toza ba africain toza pe ba bantu to lingaka biloko tambola na sembo. Alors réforme oyo et memi nango changement te ezali réforme te ce qui bandeko na biso a union sacrée ba monique makambo yo bango bazolo ba pe bazo sala wana yango nde réforme ba mikosi pe bazali komikosa peuple atanga te mais atanga pe mingi peuple bakosa ka ete peuple ba dribla ka ete soki komami na bible ke mosikoli atele magamoto na suka e komwa pe la constitution ke mokonzi ezali nde peuple pe peuple ya kotelema yango na pesi merci na coordonnateur mwana mboka Adolphe Muzitu ya Lamuka pe na soldat du peuple mon amboka le président élu Martin Fayoulou na lo lenge ba rappela ki peuple que ezana ba disposition oyo ya mobeko likonzi article 64 oyo pe sibiso ndingisa ya ko sala oyo mibeko ya mboka elobi na tango tomoni ke milinga milinga zali pe balingi koyoka voix ya peuple te peuple alobi boye. Ba élection tokendaka po tozwa oyo babengaka na lopoto ba institution forte. C'est-à-dire que bato bakoya bakobima na nzela ba élection oyo ya solo bakumba mboka na démocratie ya solo bakumba mboka na état de droit bakumba mboka na développement. Mais lelo emonani polele ke bato balingi ba gagner élection avant même que bato ba voter. Bato balingi toujours ba yiba suffrage il y a peuple congolais. Souveraineté n'a pas été manifestée en haut à travers notamment les élections. Mais ce qui est allé que Mboula na Mboula, il faut que les rapaces que les élections soient mis mal à mouté, ils allaient faute y'a baï politique. Faute y'a baï politique parce que Balingi toujours qu'au dribbler
pour na kimakambo salama ndenge ekokai ko salama te par rapport ya oyo peuple alingi to benga ka vérité des urnes yango moni lelo mwana mboka Martin Fayulu na le coordonnateur ya Lamuka de Adolphe Muzitu balobi na lopo toto dépolitiser CENI, c'est-à-dire que CENI ezala oyeza makambu ya bayi politique te. Bayi politique baya kaka na appui pona ko contrôler mwa makambu ndenge zo salama et que to pesa yango na ba confession religieuse, c'est-à-dire que ba père spirituel na biso ezala bande ko bayi catholique, bande ko ba protestant, bande ko ba musulman, bande ko kimbangiste te pe bande ko mususu basala yango ezala lokola ke moto oyo asali oyo pe muninga asali oyo pe muninga kuna asali ezala likambo ya moto te avandela yango ngai nde president babenga yango rotation. Mais likambo ya mawa pe ya soni ezali ke bande ko na biso ya union sacrée oyo ndenge boyebi FCC cash e bongwana ki union sacrée kaka ba pioga yango moko ba moni ke il faut ba me mambo kana libwaku pe bazo proposer ke kuna na CENI ba proposer ke deja na niveau ya bureau bango moko ba jimo ba mapasa ya FCC cash na ya union sacrée bango moko ba kozwa 6 pe ba lobby moto ya société civile agoya bango mo ba yebi nani ba opona bango na bango to benga ngo politisation, c'est-à-dire ke ba yi politique ba tie maboko na bitumba oyo batu bakobunda oyo to benga ba compétiteur eza bitumba ya makofite ya kowelela ebonga bande ko faut ba organiser yango bande ko mingi ba pesi bino la muka faute ba lobby bino bo ningisa ki pe na CCT kuna na assemblée nationale pour que ba réforme na bino pe passer ba welela kate mama kowelela ozo kende mbangu biso na munoka mboka balobaka kujantino koyoka ino ezali kambu ya kowelela te mama. Parce que le Parlement a perdu la crédibilité. Il y a eu que le Parlement a eu un problème de légitimité. Il y a eu un journaliste. Il y a eu 100 voix, 200 voix, 300 voix dans le Parlement. Parce que tout simplement, le résultat est là qui est fabriqué. Les conséquences sont là. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu qui sont pour, qui sont contre, qui sont contre, qui sont contre. Parce que ayebi makambo eza makambo ba election te ndenge nini bakoyi ko fouté moto ba yebi yango te bango ba fabriquer la bango ba pesi bango pe ba bebani bango na bango yango monique ba o bazalaki na varese ya motane ba komi nango ya langi pembe to ba komi nango na langi ya couleur mususu yango yoki ba dénomination FCC cash union sacrée tout ça mais conséquence nango le lois ali mboka ndezo be ba peuple ndezo souffrir parce que organe wana délibérant assemblée nationale ezali et loko ya motu ya pona mboka parce que yango ekomema mibeko ya soli oyo ekoki komema changement na mboka oyo ekoki kopesa batu pe même misala oyo ekoki kosala makambo ebele lelo mboka lelo mama yo tambola kacha mikro na yo kokamwa rotika mbala msumu sala yango pe boy yango bato bazali konyokwa mape bato bazali kosouffrir tout simplement parce que lelo ba institution ya mboka na ndenge tokende ba election ezo poser problème réel ya légitimité mais tolobi basali. Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit ça nini kasi pour contrer mais tu as dit que tu as dit que bango mais yo tuna siko to te mela bona ndenge nini po bandeko mingi balanda ki conférence de presse ezaki animé par coordonnateur actuel ya Lamuka pe mon mboka Martin Fayulu balobi bamoni bozana détermination te ya ko boya makambo ezo sala mon mboka na biso bon. Détermination ezali koloba mwa mingi détermination. Mais est-ce que détermination ezali kambuya koloba il faut ba to ba mona yango. Nous sommes déterminés pour que to remettre mboka sur les rails. En faisant quoi? Oui. Mais tout ça na ba moyen au constitution et indibiso. Yo quand si soki constitution le binabiso que tout ça na droit ya ko revendiquer à travers une manifestation. Ba ye ba bwa kele biso ba gaz to ba beti masasi to tiki. Kasi pou nde ba sala ka eza bongo ba to ba kufi ba to bazo kufa na ba manifestation. Ba sala mabe. Basala mabe o bango basala wana basala mabe yango moni lelo bakonzi mususu lelo baza kofuta oyo basala ki ya mabe na pouvoir o elekaki o lingo lingate soko loni ngubo obuka nguba mama obuka masango te obuki masoloni masango obuka ka masango yango tolobike bande konabiso batika makambo ya buzoba wana bazali kosala
batika makambo ezali kozongisa mboka sima pe kozongisa mboka sima to yebi biso nyoso ke ba election salama ki malamu te lelo eyebani ke bande konyo so balingi ke mboka kende liboso mais eza pona ba intérêt personnel te bino boko ko sala ke mboka ezala lolinge ezali wana non ekoki ko sala mabongo te eza pona ba intérêt personnel te il faut tocha intérêt général voilà pourquoi to lobby to luka ba réforme ya boyokani oto bengi les réformes consensuelles que to discuter to moni ke o ezali na motuya o ezali na motuya te to longoli pe to avancer mbokeza ko zinda mbokeza ko kufa tala lelo na ba pays oto banda ko ba pays ya mike mike o baza tout autour na biso to koy ko se comparer na bango te tout simplement parce que l'état est faible alors il faut to luka ke to zwa l'état ya makasi o ya ko sala ke misale ye na mboka o ya ko sala ke lobby makambo ebongi le loi ta likambo moko ya malonga ezalite mais comment to koy ko ndima to continuer ko souffrir bo to ndima te. Est-ce que Ningolobi ba réforme consensuelle à travers un dialogue, est-ce que ça va arranger les choses? Est-ce que au sala que ezung sama kam nanzela? À mon avis oui. Parce que ce qu'aujourd'hui micro na yo ke nanzela olobi na bato, lobi to ke élection bato bele ba oyeb sa ke ba voter te. Ba voter te ponani. Parce que oyo bango ba voter ba mona raneti ba bimarate. Mais ce que tout ni peut bato dialogue au bagete batona ba kenda so ba kika po ba partager pouvoir la preuve année que lelo yo kaki ba kenda ba concertation sou ko nango sou ki na partage a pouvoir pe mboke tambola ndenge pe bazo bangela la mouka pe bokende dialogue o ya solo zaki franc entre les parties prenantes na nzela ya accord ya Saint-Sylvestre o moni mbano nango sou to kenda ba election za ite po to zaki na constitution ki tokoto ya malamu po ba konzi ya tango wana ba boya ki ko organiser election mais na nzela ya ko vanda tout ça là qui est toqué par élection peut tout chaque disposition que tout bongisse le loco oyo et que l'andela makamu n'engagne tout ça là pour toqué par élection voilà nous avons trouvé un compromis un intérêt en boka nanzela ya bandeko ba faciliter biso nos pères spirituels c'est ce qui doit se passer aujourd'hui dans les circonstances tout ça nango on peut kondima ko renoncer na makambo mususu tout simplement parce que to linki intérêt général ya ngonde za la likolo ya oyo zali ya batu yango to linki ke tokende na ba réforme o ya boyokani o ya ko imposer ba touté déjà biso to boy yango mais ce qui une grande partie ya population pe ba boy yango po ba boy yango pe ba lingi yango te situation o zala ndenge nini nous continuons à insister ba tuming balobi révolution des solutions na problème tout ce qui ba to moni ke révolution esa solution biso to lobi ke ce que tangi na article 64 au moment que constitution et pc biso makuki na ndenge o mibeko et pc mais ce dans la bande ko ba moni révolution c'est à dire que bango ba moni ke ba komi na suka ba moni ke ba komi na suka biso to komi na suka te tozo résister tozo na suka te tozo résister peut total sa bango ke bozo ko tsambo kaka na libulu à un moment donné ba kozanga moyen ya ko bwa ka corde po ba benda batu ba ko bwa ka corde te po libulu ko zala mulayi singeza mukuse yango moni toza ko rappeler bango pe moni na dernière conférence de presse. Mais tu as en réalité, tu as été au PC et tu carton jaune. Mais carton jaune, tu as été au PC et tu as été au PC et tu as été au PC et tu carton jaune. Tu as rappelé, tu as été au ressaisir. Tu as été au PC réforme tu as été au PC et tu as été au PC et par défaut. Et bon, tu as été au PC et la démocratie est très fragile. Pour te consolider, le dialogue est fait à la paix. Aden, tu as été au PC et tu as été au PC. Ezala aden na biso totala wake awa to koiko solola awa to koiko solola bo pe tozo bongisa makamala mu comment voulez-vous que biso to ke ba election seigne za robongate election za malamu te vous pensez que ba réforme ndeza solution pour na rokende vraiment ba élection? Oui, il faut des réformes consensuelles, pas des réformes imposées parce que ça ne passera pas na ndenge configuration élection salamaki bato bazan ensemble on a bazo représenter l'autre na ndenge élection salamaki bazo déjà sanction. Mais le quoi, le résultat, c'est qui fabriqué. Bah, s'entêter vis-à-vis du peuple, on ne s'entête pas vis-à-vis de son peuple. Il faut bayoka au peuple à Zoloba. Le peuple a souffrance, a zana nzala. Il faut bayoka. Les lobes députés, ils ne sont pas là. Madame Mouda, je ne sais pas si moto, a se déguisé. Et bien, il y a un problème de légitimité. Il y a un député. Pour nani. Il y a un problème de légitimité. Il y a un réel. Baba Tamarat. Il y a un réel. Je ne parle pas de tout le monde, parce que ça, il y a un gagné à Pinda. Mais il y a un Sony, il y a un bayoka, il y a yo quand tu sors yo yé au chez les bangos sing au sommet les bateaux câbles bateau bas sommet câble avant yo basaté sors yo yé au yé au la mimi dans qui n'aille au longola n'aille au longola foulou bateau il faut balongola foulou on a l'état sur balongola on te yo mutumoko kokango
yo ganti soi batu bazana nzala ta yo zana peteni na mboko okolesa batu nyonso mais l'état soka aza capable ko pesa batu musala l'état aza capable ya ko pesa batu mwinda l'état aza capable ko sala banzela soki yo yo sali soki lo nini yo monike yo ndo okokite moi le meilleur o yo zui oyé o lo sala musala l'état oyé o komi ko ko sala ngo wana zane ti ba ezaka ba trafic d'influence tout simplement okokata l'état ndé a l'équipe batu nyonso yango to lingi musala l'état sala mamala mu à travers les bonnes élections. Pour notre succès avec Ambasseni, mon ami Martin Fayulu a sengi banganganzambe ba ponana nous président ya sénité ponani. Non, c'est tout simplement parce que tu l'ignites au bandana na ba réforme consensuelle. Makambo ya ko nommer ba toane ko mema ba tna le côté. Ba nomu kwa ki ba nommer malonda suka nango suka wa. Kombo mukolo kombo ya mutuane ko bima to zanzela. Mukolo kombo ya mutuane ko bima lisusu. Oya liboso bima ki ba lobi kete basili sinyoso. Basili ça. Mukolo bako bimisa kombo wana sans les réformes toza nanzela waneza parole on azo ibisa yo en tant que citoyen engagé mona ya SID mona ya Martin Fayulu toza nanzela le peuple congolais n'acceptera pas ça mais bango pe oyebika ka système ba ogazé bino likambute soka za yango na solution pomboke ke liboso tant mieux. Voilà, Toroza Wana Télé Tchangou pour nous faire vivre Bino, comme d'habitude, ce qui se passe sur terrain. Alors, Maître Clément Mouza, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif provincial, il y a SID, parti cher à Martin Fayulu, Tolobela Estiambo, Kanabiso, catastrophe, Oyo, et Outi, Kosalama, la partie Wana, Bandeko, délaissé à leur triste sort, Tolandaki, Mokambia, Lamuka, Asengipe, Bafongola, Fomoko, Ponokosunga. Non, tous autres s'est déployé. Il n'y a pas seulement la considération à Lamuka, même dans l'église, tous les gens qui sont en train de se faire. Mais mon cousin Abisso a l'église cardinale, la PCP Mbela, pour que nous puissions penser sur toute l'étendue de la République, tout penser à la bande de Abisso S, parce qu'on est allé catastrophe, dans la catastrophe. Beaucoup d'éléments pouvaient être évités. Déjà, ceux qui sont en il faut que nous puissions faire des choses pour nous. Tous les gens qui ont été en train de faire Internet, l'université a fait. Quand on a fait ça, on a fait ça. Internet, on peut promettre que les gens ne sont pas en train de faire ça. Ils ne sont pas en train de faire ça. Bon, ils ne sont pas en train de faire ça. Mais on a des informations sur Internet. C'est une catastrophe. Les conséquences sont évitées. Mais l'État a collé les sous-sous-sous pas si il y a des Congolais. Il y a des gens qui ont été apesi bango ni moyen de transport ni moyen bako iko bima ni train ni vélo ni moto abipe bazonga abipe déjà bazonga non mais abandai nan ko lobake apesi nan autorisation te ma tu passe l'équipe balobi te tozonga to ko ku fatan za la pana biso po soko ke iko te mususu atoza na ozaki na passe pana yo passe yango za ke kokana te batu babandi ko zonga bango bango moko pe amonye loka olobate amonye loka olobate alors batu na ko zonga na bazonga bazana situation moko grave. Il faut bisoto ça la moitié ça, il faut ba église ba ça la banine, il faut ba ONG ba intervenir, l'état est moko to ébité moyen l'été kenda mon tout nananga. Quelle est la responsabilité de l'état congolais? Mais l'état est défaillant, maman, l'état est défaillant, azana responsabilité normalement toza bato, il faut to déposer plainte contre bango pour une mise en danger de sa population. A cette population en danger pour rien, on pouvait éviter ça. Comment que yoko yeb sa peuple na bio que bino bokende côté ya sac et bino so bokende Bukavu bokende ata très à pambo cheli bangote oyebi ke batona baza évalué environ 400 000. Mais les gens se sont débrouillés. Les lots on nous parle ya bana et belé o bayebi kout côté ba parana bango bazate. Vous voyez un peu, alors vous devez compter à un gouvernement pareil. Ya golobaga ya golobaga sur Facebook sur terrain boy, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un gouvernement. Le Premier ministre était sur place à Goma, à lobby que Azali engagé dans le gouvernement. À lobby. Et ça, Magamba Olobate, devant des catastrophes comme ça, il faut voir comment Batou va soutenir Baninga. Il faut retarder la Nengenini, gouvernement qui va soutenir Batou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut retarder la Yango. Le gouvernement, Balobi Mbongwezate. Mais Balobaka Mbongwezate. Mais tous les jours, tous les jours, il y a ma solo. Et ça, il y a ma solo, il y a ma wana. Balobaka Mbongwezate, il y a ma solo. Mutumo gazu musala sali 4 mois tongi meuble à 10 niveaux. Wana ndezali? Bango balobaka mbongo zate. Il y a pas de problème comme mbongo zate. Mais il faut pas abandonner le peuple. Mais ceux mbongo zate, il faut laisser. Parce que mbongo zate. Les gens s'accrochent pourquoi? Hein?
Mais on a que tous les hommes qui connaissent la situation en Bogaza Mabé. Il n'y a pas de démission. C'est qu'il y a l'argent. Évaluation état de siège. Assemblée nationale, Parlement et PC Ndingi Sapo na 15 jours, mon souci à Sika. Président de la République, ou t'as la loi Moko et PC habilité. Il y a un prorogage. Moko, Moko, Basala qui. Oui, clos. Basala qui a un oui, clos. Mais il y a des journalistes qui ont une nouvelle. Il y a des nouvelles qui ont une est. Qui vivra verra. Mais tout le monde continue. On a eu une solution. La solution est une peu durable. Pour nous avoir la paix durable et l'eau, il faut qu'on ait l'autorité de l'État. Il faut que l'unité nationale ait zonga, il faut la concorde nationale ait la retrouver. Le lombo qui a fissuré, ce n'est pas un secret. Il faut vendre dans la bande de 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 la La cité courante ZAT, Batoukout Android, Ayoka Android, Asimbangonante. Mais information, il y a des gens qui sont 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 tous à la rana souci on a tout ça la bas marche tous au bagage et modèle la modèle kakapo n'a qu'au bout de la bata est qui sont des vrais patriotes bandeko tote kolanda mikolo leki président ya isidé au azali mokambi a parti yo isika yo zali alobaki azo senga a répondant qui na proposition à mon amboka vital kamere que bavanda lisanga pour na kosola makambo est ba tuming balobi mon amboka martin fayulu ndinge on dirait à l'embi résistance alinga fongola nzela ya dialogue banda to bandi banda braquage électoral et salamagna 2018 nous sommes sur la voie de retrouver l'unité nationale la concorde à travers des réformes consensuelles pour bozo ba conférence ba réforme consensuelle il faut bavanda mais ezate que vital kamere mutoya avant de sabiso non à ça peut partir la crise on a comme membre ya FCC Cash atakune comme imbo swimbo mais à ça membre ya FCC Cash donc à ça partie prenante comme bande kona yenyoso biso peut aux avoir partie prenante donc vendre de façon paritaire en fait biso toza wana te pona kolanda tokoboya makambo ya bato non nous sommes là pour l'intérêt de la république mais mutu oyo akoki ko vendre biso ezaka ga médiateur neutre. Et ça, c'est ni mon amboka Chilombo, ni mon amboka Vital Kamere. Bazali na cash. Bango baza peut partie prenante. Voilà pourquoi nous lançons toujours l'appel à la communauté internationale ainsi que à nos pères spirituels. Basunga mboka et kende liboso à travers un dialogue franc. De façon paritaire, to yokani, to saliba réforme, ya solo, to keina makambo. Wana bo kabola ba bibongate. Non, mais déjà, le premier communiqué au Yébima, c'est le Bayango. Ce que j'ai dit, c'est que le pouvoir, mais c'est le Kaboula. Tant que le Kaboula est la concertation nationale, tout le monde sait que le Kaboula est le Kaboula. Le Kaboula est le Kaboula. Faisons les choses bien pour que tu rendes le peuple Nabiso heureux. Toti kolanda na mikolo leki awa na monoko ndeko na biso moko mopandisango alobi makambo ba carte oyo ya ba crédit au compte ya trésor donc ba personnalité bazonga bango mbongo na compte ya trésor public par mois. Est-ce que comme on appelle avocat ko tourner est légal et quelles sont les recommandations ko pesa pour que ba biloko ane et si là? Non, pour le moment la recommandation au pesa te je constate que ça pratique et le quoi ça pratique ça la légalité. Pesa likambo ça légalité. Et ça likambo ça légalité. Et ça émission mobimba to ko zo yango sur likambo na. Peuple surtout ki kaka. Ki mutu mo ko kende bo ya bengi pe likonda. Likonda on paye 1000 francs et 2000 francs hein. Yo mon gars muta telemi na mir yo kanta koma mukanda te. Ako benda pe 50 000 balles. Ako benda 40 000 balles. Hein? To lo babo na langage ya Kishasa. Mais au moni ki ça ba blogo mo surprendre peuple congolais mais bazana système. Il y a un bango na bango FCC Cash na Union Sacré. Ka bango na bango eza mutu soudain. Bango na bango ka FCC Cash Union Sacré. Ya ba mutu soudain na kadi wana. Ka bango na bango. Félix Tshisekedi alo ati asali lutte contre la corruption cheval de bataille na yo mona musala IGF comment za ko analyser. Comment bozolingaka ka bolo ba bolo ba bolo ba.
Mais quand le banago mona est ma gamme balai, est-ce que les Congolais peuvent dire aujourd'hui que les lots à un état de droit? Congolais go le banon. Comment Mukanda Pangobila, il sait que tout en marche le baroïe, ça on est Covid. Mais bah, Robin Gisaba, député Nyon, soit Union Sacrée, bah, aucune place, moi, bah, Vandi, Kuna Covid des Arades. Comment vous trouvez ça? Non. Toza na mboka oyo to tambola mutuna se makolo likolo mbokeza na buluyeke mais to tika mboka weza na buluyeke wa bongo mama. Non, on ne peut pas laisser le pays comme ça. Nous allons construire le pays ensemble, c'est notre pays. Il faut construire en gros ensemble. Là où ça marche pas, toza na courage a loba to oza la gaba flatteur te tant que loba pa na bino bo mukile na ndarabiso ba tunyo so ba na ndarabiso ba to ayunyo sacré ba tala muka ba tunyo so ba na ndarabiso. Ça dit que ba juge arabiso makambo to loba za fanatisme ou bien to zo loba penza makambo pona mboka. Tolo bara makambango pona mboka poto zana moyen ba msusu ya olobate moyen na biso ezali to le kana micro bo eto loba. Donc il faut tozala na mo bwanya, il faut tozala koloba makambo eko zala ke muto vandi amoni penda ke te pona intérêt ya mboka nanga likambo bo ezali malamu oyo kuna ezali peut-être malamu te bato yo PR mon non. On a beaucoup de parasites et puis beaucoup de clients au baza vraiment ba fanatique baza prêté ya olobali likambo ezali malamu pona mboka sino ta repère de poste naye mais biso ba oyo tous en résistance tout le monde a photo le bango. Voilà pourquoi tous aura moins occasion toya panabino peto le belango. Alors toujours ce qui ça maître Clément Mouza secrétaire exécutif provincial ya SID congolité oloba moi liloba de père et de mère na ba magistrature suprême ti na présidence ya CENI. Une distraction, esa distraction. Il y a plus important en mboka que la question de congolité. Parce que les questions ont été réglées déjà, elles ont la constitution, elles ont la loi sur la nationalité. Et les lois ont été questions, elles ont un problème parce qu'il y a une loi, c'est réglé. Ils ont pas de bateau, comme ça, la même. Il y a une émission de distraction. Tout le monde a une émission de distraction. Mais où est la situation où il y a une émission de oyo lelo to ko lobelango ke comme génocide mais ba to belé ba lobelango té ba ibika likambo congolité parce que ba ko sala aller retour à 800 francs mais likambo ezan intérêt à mboka ba to zo lobelango té. C'est ça un peu le mal aussi pour Nabiso. Une distraction lelo to na ba problème moko ezay ma casse, il faut trouver la solution ba to bazan misalaté banda ba to ba mona ke bango bazan na passerelle ya pouvoir ezan de bango misalani ba pesi ba congolais nzela ba tongi wapi qu'est-ce qui marche? Rien ne marche mais pour na ko distraire population, bah même les batoulis, les Cambouya congolités, les gens applaudissent. Mais il y a une constitution. La fois passée, tu connais l'élection, tu connais une réunion. Constitution, c'est la chose à dire. Mais les loyers au bimama Cambouya, belé belé, zanga tatina. Non, ils ont choisi peut-être le moment pour nous distraire. Bisous, mais toi, quand t'as la distraction, on a t'es. Alors, tout comme il y a souk à entretien à Bisso, maître Clément Mouza, secrétaire exécutif provincial na Tchangou, il y a SID. Message n'y a pas de sabar congolais, Lelo, Bandeko, Bavandi à travers le monde, baza vraiment déçu, Nabino, ba politicien, Mbo Kanabiso, baza Ekolo Bayango. Comment faire pour nous faire sortir Mbo Kanabiso na niveau Zali, au PCP numéro, dans un téléphone, Bandeko Moussou, Barolinga, ba contacter pour nous faire question. Ah bon, c'est un mot simple. Le message à l'Ibosso est que tu développes le patriotisme. C'est-à-dire que tu es un mot cannabis. Que tu es un mot cannabis, tu es un mot cannabis. C'est vrai, tu es un mot cannabis, tu es un mot cannabis. Mais il y a des Congolais moko na moko et si Kazali, surtout dans le cas de la Mboka, opinion ya solo, ya rotala Mboka, sur les autres qui sont malamoute, qui sont malamoute, et ça, yo monaka. Que ceux qui ont outi bat place na okoyiko tambola to cop na yo to musala ozongi na ndaku oyoyo moni penda pona mboka za kati na yo yango na nde ezali penda opinion ya solo ndenge mboka etambola so rezo tambola malamu so rezo tambola mabe me na ndenge ya koloba bo epe ya komona biso to moni ke mboka za ko beba davantage il faut to linga mboka na biso ko linga mboka na biso ezali notamment ya ko insister pour que lobby tozwa bakambi ya malamu o bakoyiko permettre biso ke tout même appelé Mboka na développement chaque jour toya ratolo bakama ma politique mon toya to lo bakeno Mboka na biso tozagi na 92% ya ba chômeur et kiti est comme 80 et kiti est comme 70 to lo bangoka tozaga na mamba politique parce que politique ngoze ki mala monté ça dit que nous en tant que politiciens to participer to considérer que esa responsabilité moko objective c'est à dire que politicien a faillir. Voilà pourquoi Tolingi notamment la dépolitisation aussi à Seni, biloko musuto tikapé, batumusuno no basala biso to totala na misu, ekoyiko mema biso na nzela moko pe
yamalamu. Donc tolinga mboka na biso mboka fin du monde aux anabisoté. Et aux apega na Congo té. Pour batou vivre au bazo mené na Congo ba quand ça fin du monde aux aga na Congo ndenge Bible komaté. Tolinga mboka na ndenge ya solo pe na sengi na bande konyo so ba za na résistance ba o balinga mona mboka Martin Fayulu na parti na SID toza na nouvelle toza na campagne ya nouvelle carte. Donc mutu o ya linga comme membre ya SID a kuki ko contacter biso vraiment directement na 090 33 60 66 127 a kuki vraiment ko contacter biso so za na besoin a comme membre ya SID. Donc tu voyais mbaye tu voyais ça y est ma condition d'engue ezali d'engue na koyi koko ma membre parce que tous ans au bundelongo tous ans a besoin que batu ba somba ba carte ba s'adhérer et belé ezali kambuya sonité eza mibeko yamboka esengi ke parti politique a fois ans a badera na donc ce que a bengi biso na 090 33 66 127 a rozo biso soka zubi sauté a rolé kana boulevard triomphal numéro 3 kuna esika siège national na monsieur Zali a ozo ba renseignement nyoso ndenge nina ko iko remplir fiche na ye adhésion ba condition ni Zali pe a kozo nouvelle carte na ye. Donc bref tolingana tolinga mboka na biso hein, c'est très important et puis tout ça là de sorte que mboka e kende liboso to telema pona mboka totondio boton di maman donc na otika bino pe bolanda version française émission totiko sala ba ndeko mingi pe ba yo kaka lingala malamu te ba ko ko landa ba réponse en résumé ya maître Clément Mouza na émission na biso sali restez connecté. Heureusement que pour vous c'est une impression et c'est l'impression que nous avons aussi ceux qui sont partie prenante à la crise veulent bien forcer les choses. Oui, il est vrai que la coalition Lamouka a fait des propositions par rapport notamment à la CENI, que nous voulons dépolitiser. Mais nous nous rendons compte que, profitant de la situation chaotique à l'est du pays, particulièrement à Goma avec l'éruption volcanique, les députés se sont arrangés avec toute l'Union sacrée pour qu'ils puissent mettre en péril la vie de toute une nation. Aujourd'hui, dans ces pays, il y a des gens qui sont devenus inaptes, il y a des gens qui nous ont quittés, pour ne pas les citer, tout simplement parce qu'il fallait se battre pour l'indépendance de la CENI. Parce qu'il fallait se battre pour que, dans ces pays, nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes, qui puisse permettre à la République d'avoir des institutions fortes et de faire développer les pays. Mais l'impression que nous avons, parce que vous avez parlé de l'impression, est que ce Parlement qui a perdu toute crédibilité et qui n'a pas de légitimité aujourd'hui, fait nous amener dans une situation de chaos. C'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre. Parce que vous le savez, et dans votre conscience, et c'est ça la vraie opinion d'une personne et d'une nation. La situation du pays ne marche pas, le pays va très mal. Et nous avons dit que nous puissions nous mettre autour d'une table pour des réformes consensuelles. Kabila a fait des réformes qu'il a imposées. Aujourd'hui, quelle est la situation? Et nos amis de l'Union sacrée veulent faire la même chose. Mais nous prenons notre peuple en témoin, ainsi que la communauté internationale. Voilà pourquoi il y a eu un dernier avertissement. En fait, c'est une mise en garde. Nous avons demandé aux parlementaires de cesser cette aventure-là. Parce que la Constitution nous donne les moyens d'agir. Et nous allons agir conformément à ce que notre Constitution prévoit. Parce que nous ne pouvons pas laisser les pays sombrer. Les pays sont en train de sombrer. Donc, nous n'avons pas la République démocratique de Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Et quand vous êtes à Kinshasa, vous sentez que vous êtes peut-être en train de vivre parce que vous êtes à l'Assemblée nationale ou vous êtes dans des institutions. Mais quand vous êtes à l'arrière-pays, les gens ne connaissent même pas ces institutions. Ils ont l'impression qu'on n'a pas un gouvernement au pays. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas un parlement au pays. C'est ça la réalité du Congo profond. Et ils sont plus majoritaires que ceux qui vivent à Kinshasa. Donc, nous devons
nous ressaisir tout simplement en tant que politique. Parce que ce pays ne va pas se développer avec des ONG. Ce pays ne va pas se développer avec des associations sans but lucratif. Le pays se développera avec des institutions fortes issues des élections crédibles, transparentes, des élections dites indépendantes. Mais qu'est-ce que nous voyons dans cette assemblée, madame? Vous êtes en train de le constater avec moi? Qu'on veut tout simplement politiser. On veut politiser les choses. Nous disons non. Et nous allons barrer la route à ces gens-là. Ils ont commencé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais ceux qui ne veulent pas respecter la Constitution, ils n'ont que ça comme élément de répression. Refuser à ce que le peuple puisse se manifester. Mais il y a l'article 64. Il faut bien lire cet article-là. Il faut bien lire cet article. Non, nous ne bravons pas l'autorité de l'État. C'est eux-mêmes. Ils ont parlé de Covid, ils ont parlé de mesures barrières. Ils ont déjà respecté ça où? C'est pas même du troisième vague. C'est eux. Mais qui disent ça à la population? Ils sont en train de le dire entre eux à la télévision. Est-ce que tout le monde suit la télévision? Il y a du courant dans ce pays? Est-ce que tout le monde lit les journaux? Qui aille dire ça à la population? Que non, il y a la troisième vague. Comme ça, ils vont avoir la réaction. Qu'il aille dire ça à la population, parce qu'ils ont cette légitimité-là, qu'il faut se faire vacciner. Ils auront la réaction. Même vous, journalistes, vous n'allez peut-être pas vous faire vacciner, parce qu'il y a une très mauvaise information. C'est ça, les pays? Non. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous continuons à insister, et je le dis bien, nous continuons à insister, comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Nous cherchons le bonheur du peuple congolais. Le bonheur, nous ne pouvons l'obtenir que lorsque nous avons des institutions fortes, madame. C'est en cela que nous faisons la politique. Nous ne faisons pas la politique pour être appelé député, être appelé ministre, être appelé je ne sais qui. Nous faisons la politique justement pour le bonheur du peuple congolais. Aujourd'hui, mais le peuple congolais est chosifié. Regardez ce qui se passe à Goma avec l'éruption volcanique. D'abord, les conséquences pouvaient être évitées. Mais c'est arrivé. Regardez, on dit à toute une population de se déplacer. On ne prévoit même pas un moyen de transport. Maintenant, ce sont des associations caritatives qui doivent s'organiser pour trouver quelque chose pour cette population. Mais qu'est-ce que l'État a déjà dépensé? Qu'est-ce que l'État fait? Ils sont en train de faire des allers-retours sans même l'assistance de l'État congolais. Ils sont plus dans les réseaux sociaux que dans la gestion effective de l'État. C'est ça la réalité? Mais cette catastrophe-là qui est arrivée à Goma, admettons que cela est arrivé à Kinshasa, d'une autre façon, qu'est-ce qui va se passer, madame? Prenons la hauteur de ce que nous voulons pour cette République, parce que nous n'avons que ça comme pays. Non, le problème est qu'il est parti prenante à la crise. C'est différent. Nous sommes les héritiers de Étienne Tshisekedi de Wamulumba, notre héros, qui nous disait toujours et qui ne cessait de nous répéter que le dialogue doit être notre ADN. C'est-à-dire que le dialogue doit être permanent. Nous sommes prêts pour le dialogue permanent. Vous détournez de votre vision. Non, ce n'est pas un problème de détourner. Il est partie prenante à la crise et nous avons dit, nous avons besoin de réformes consensuelles, mais dans une rencontre paritaire. Mais en 2023, ça va. Non. Pour nous, ce n'est pas le moment, la date ou l'année qui compte. Pour nous, ce qui compte... Non, pour nous, ce qui compte, c'est que nous puissions remettre le pays sur les rails en organisant des bonnes élections. Or, pour avoir des bonnes élections, il faut avoir une bonne CENI, madame. Si vous n'avez pas une bonne CENI, vous n'aurez pas de bonnes élections parce qu'il y a des gens qui veulent avoir les élections, qui veulent avoir les résultats avant même les élections. Donc, le suffrage du peuple ne sert plus à rien. C'est ce qu'ils veulent faire. Quand vous regardez la composition de la plénière, mais les jumeaux se sont manifestés. L'Union Sacrée se retrouve avec 10 et il va manipuler la société civile. Et au niveau du bureau, l'Union Sacrée se retrouve avec 6. Ils vont manipuler un indépendant. Vous voyez? Donc quand je parle de l'Union Sacrée, parce que pour moi, les FCC4, c'est ça qui est devenu l'Union Sacrée. Ce sont les mêmes acteurs. On n'a fait que déplacer le pion, comme l'a dit le président Élu Martin Fayoum. Est-ce que la population congolaise ici, madame, essayez de faire cet exercice-là. Est-ce qu'ils savent quand même qu'il y a un gouvernement? Ou on sent qu'il y a un gouvernement? Il y a quand même l'état de siège. Pas quand même. Moi, je ne vous pose pas la question. C'est-à-dire que je suis en train de vous répondre. Est-ce que la population de Kinshasa ici savent qu'il y a un gouvernement?
Et ce gouvernement travaille ou a travaillé, déjà a donné les résultats. Dans quel domaine? Mais il ne faut pas que seulement ça soit du chômage. Il y a un gouvernement parce qu'il y a un État. En réalité, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Même pas une nation. Nous sommes en train de vivre cette situation. Voilà pourquoi nous continuons à nous battre. Nous devons nous battre pour ce pays, donner une identité à ce pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, madame. Comment vous allez vous battre avec quelqu'un que vous n'avez pas identifié? Tout le monde sait que celui qui fait la guerre ou ceux qui font la guerre aux Congolais, ce sont le Rwanda, l'Ouganda, les Burundis et les autres. C'est connu. C'est connu. Mais lorsque vous voulez déguiser et parler d'autre chose, non, madame. Vous avez une plaie, vous voulez que la plaie puisse se guérir, madame, on la nettoie. Ne mettez pas les produits sur les produits, il faut nettoyer la plaie. Voilà pourquoi se mettre autour de table, c'est juste pour les réformes consensuelles, notamment les réformes de la sécurité. C'est notre État. Comment nous sommes dans un pays où quelqu'un peut entrer comme il veut? Et on voit même un ministre, un ex-ministre, sortir de ce pays. Il se retrouve déjà à Brazzaville, les gens ne savent même pas qu'ils sont à Brazzaville. Et il va être là-bas, arrêté là-bas à Brazzaville. Ça n'existe qu'au Congo, madame. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à nos princes de l'Église, à nos pasteurs, aux imams, aux pays voisins, à la communauté internationale, de tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo puisse revenir sur les rails. Nous avons dérouté la voie de la démocratie. Nous avons pour mission de consolider notre jeune démocratie. Nous avons organisé à trois reprises des élections qui ont été presque chaotiques et qui aujourd'hui n'ont pas permis à la République de progresser. Si nous faisons un peu de géographie, nous avons 9 voisins. Madame, savez-vous un seul pays où, sur le plan de développement, peut être comparé à la République démocratique du Congo, malgré toutes ses richesses? Il n'y en a pas, madame. Il n'y en a pas, même quand vous descendez plus loin. On a vu les Éthiopiens se déambuler ici. Vous les voyez encore, madame? Vous les voyez encore? Et quand on t'appelait Éthiopien, c'était synonyme d'une misère. Non, madame. Nous avons étudié justement pour ça. Si nous avons fait l'université, c'est pour que nous soyons ouverts au monde. Mais apparemment, aujourd'hui, nous ne sommes même pas meilleurs que ceux qui n'ont pas étudié, nos parents qui n'ont pas étudié. On est plus meilleurs que nos parents qui n'ont pas étudié, qui avaient le sens de ce qu'ils faisaient. Et nous sommes responsables, nous politiques. Mais il n'est pas encore tard, nous devons nous ressaisir. Depuis que cette assemblée-là existe, on a interpellé des gens. Vous connaissez les résultats? Depuis que cette assemblée-là existe, madame, laissez-moi m'exclamer, les questions sont les vôtres. Hein? Depuis que cette assemblée-là existe, vous connaissez une seule loi à caractère social dans l'intérêt de la population? Ah, madame, ils sont dans un système. Ils sont dans des combines. Ils sont dans un système. Mais déjà dans les FCC cash, ils changent de vareuse, ils deviennent union sacrée. Avec les mêmes acteurs. Vous retrouvez avec un député qui est dans l'opposition, qui est en même temps dans la majorité. Vous vous trouvez dans un député qui est dans un parti politique avec deux têtes. Mais est-ce que nous devons laisser le pays comme ça, madame? Ce peuple doit continuer à souffrir. Non, madame. Nous sommes dans la même situation. Vous, de la presse, vous devez aider les pays. Je sais que vous êtes dans une presse commerciale, mais aidez les pays, madame. Le patriotisme n'a pas de prix. Aider ces pays, ce n'est pas lorsqu'on parle seulement de cas. Ces cartes-là, ils sont dans le système. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces cartes. Ils les découvrent maintenant. Et qui a donné l'information? Qui a alerté? Un journaliste. Bravo! Pour réhabiliter la Cour des comptes. Oui, c'est déséquilibré. Les chefs dépendent directement de la présidence de la République. Mais la Cour des comptes, les jours où la Cour des comptes va enquêter la présidence de la République, mais c'est le chaos. Parce qu'on apprend, seulement. Mais le jour où la Cour des comptes va enquêter, qu'on réhabilite là, si vraiment nous sommes dans un état de droit, t'inventer, réhabilitons la Cour des comptes, madame. Et vous allez voir, des étincelles à l'air. Nous avons failli dans ce pays. Ne vous en faites pas. Nous avons, j'ai dit nous, Congolais, nous, politiques,
même si nous n'avons pas eu à gérer la chose publique. Nous, je parle des Congolais, je ne suis pas un égoïste. Parce que quand la population parle de sa souffrance, parle en termes des politiciens. Ils n'ont plus envie d'aller aux élections. Parce que avant et après les élections, c'est la même chose. Non, il appartient au peuple congolais de prendre son destin en main. Point très.